tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. Nous sommes lundi, premier jour des vacances. Alors je filme de ma chambre, donc je ne parle pas très fort, je ne sais pas qui est levé. Mais c'est grave, parce qu'il est 10h10. Et moi je me lève tout juste. Donc c'est bien, on a bien profité. Mais maintenant on va essayer de profiter de la journée surtout, parce que du coup en se levant à 10h, la journée va être beaucoup plus courte. Donc je vais descendre et voir un petit peu ce qui se passe en bas. Anaïs est avec nous cette semaine jusqu'à vendredi et en fait je pense qu'elle ne veut pas être filmée. Je vais lui redemander et si c'est le cas du coup je ne la filmerai pas. Mais oui, il me semble que elle ne souhaite pas être sur les vlogs. Voilà, bon ben je descends, j'ai faim en plus, je vais aller prendre mon petit déj. On n'a rien de prévu de spécial aujourd'hui, mais vu le temps qu'il fait, franchement, on va se faire plaisir. Moi, j'aimerais bien aller faire une séance photo, mais à chaque fois que je le propose, ça branche personne, alors c'est pénible. Mais j'aimerais bien avoir des belles photos de moi, avec ou sans mes enfants, de mes enfants avec ou sans moi. Franchement, j'ai envie d'avoir des belles photos, donc j'aimerais bien qu'on aille en faire. Ça serait vraiment sympa. Donc, à voir si les enfants vont être disposés ou pas. Bon, je reprends, on est au petit-déj, il est 10h30. Ouais. Bonjour tout le monde. Mamie, chien. T'avais raté mamie, chien. Mamie, chien. Je t'ai dit, t'avais raté ton tour. Bon, bah pour l'instant, je sais tout ce qu'on va faire. Hein. On a les chichis qui sont arrivés derrière moi, je sais pas si vous les voyez. Et la cage, elle est méga crade. Hein. Faut que je la fasse aujourd'hui d'ailleurs, voilà. Ça, c'est une activité que je vais faire aujourd'hui. Faut que je fasse la cage des chinchillas. Ouais, les enfants m'ont demandé de faire du pain aussi, donc il faut que j'aille voir si la levure de pain que j'avais dans mon buffet dans le garage est encore bonne. Si c'est le cas, on va faire deux petites baguettes. Et puis, Côme, il est puni ce matin. Elsa aussi. Elsa aussi. Moins que Côme, mais elle est punie aussi. En fait, ils vont faire des lignes. Moi aussi. Donc, ils sont pas ravis. Oui, mais leur comportement, clairement, à l'école. Bah, ça va plus le faire, quoi. S'ils ne s'arrêtent pas, ça va plus le faire du tout. Donc, il faut les faire réagir. On fait des lignes. Toi, t'as ton cahier jaune aujourd'hui? Bah oui. C'est pour faire quoi ton cahier jaune? On va en faire que une heure ce matin, du coup, il est 6h. Mais va faire mes devoirs. Va faire tes devoirs. Marceau, il est très frustré parce qu'il est le seul de la maison à ne pas avoir de devoirs. Puisque même Adam, qui est en CP, il a des devoirs. Et du coup, il a trop hâte d'être en CP pour avoir tes devoirs. C'est grave. Il y en a qui ne veulent pas les faire et toi, tu as envie de les faire. Oui. Bah oui. Je peux lui en donner, donc, ceci. Tu peux m'en donner? Bon, oui. Hein? Si t'en veux des devoirs, je peux t'en donner. Hein. Ah. Tu copies 50 fois. Tu veux lui apprendre ne dois à écrire son prénom. Devoir. Ben non, mais je peux lui apprendre à écrire son prénom. De toute façon, c'est prévu au programme de cette année. Donc, tu me copies enfin, cette année, je sais pas. Non. Cette année, non. Il doit juste le reconnaître. Tu me copies 500 fois ton prénom. Et ben, moi, je vais faire du graphisme, des boucles ou des ronds. Juste faire des ronds. Moi, t'as envie d'apprendre à faire des ronds? Ah oui. Ah oui, bon bah là on va faire ça. On va apprendre à faire des ronds. J'ai une tête de mort hein, puisque forcément je l'ai levée, donc je suis pas maquillée. Mais comme bien sûr, aujourd'hui c'est les vacances. Ouais, c'est les vacances. Maman, je trouve qu'elle n'aura pas l'intention de se maquiller. Tu rigoles ou quoi? Je me maquille jamais pendant les vacances d'habitude. Mais on se calme. Voilà, un exemplaire du comportement d'Adam dont j'ai tant parlé. Qu'est-ce qui est drôle? Donc, je me maquille jamais pendant les vacances? C'est pas drôle! Des fois, tu te maquilles pas. Eh ben, faudrait que tu me dises sur les contacts. C'est pas drôle! Eh, Marceau? Là, c'est drôle. Non, non. Le premier jour des vacances de la dernière fois. Je ne fais pas! Oui, c'est arrivé une fois. Et je crois. Et encore, je m'en souviens même pas. Non, pour être honnête, en fait, je me maquille. Tu es où? Ouais, je me maquille tout le temps. Ah, la dernière fois que tu t'es pas maquillée,
c'était... À moins que je sois malade et clouée au lit. Eric. Ah, la carotte arrive. Mort de rire, c'était Eric. J'ai coupé exprès parce que justement, je pensais que c'était... Enfin, c'était si bien lui, mais il est parti aux toilettes. On a une bonne demi-heure. Non, je plaisante. Non, je vais couper du coup, on vous reprend ça. Bon les amis, pendant que maman fait du rangement, les enfants font des punitions. Puisque Elsa, comme je le disais, Elsa et Combe sont punis, donc ils font des lignes. Sauf que Adam a demandé à faire des lignes aussi. À les comprendre. Et Marceau... Non, il fait la tête, quoi. Il avait demandé à faire des lignes aussi. Bon, finalement, c'est un peu leur gage. Ça ne me gêne pas en soi, mais voilà. Donc, je vais vous montrer mon sublime salon. Puisque, alors, ne regardez pas le bazar, c'est ce que je suis en train de ranger. Mais c'est plus le côté de canapé, en fait. Voilà. Alors, vous avez ma chaise, mon vieux fauteuil, là, qui est debout, qui vous empêche certainement un peu de voir. Un canapé avec mon placard qui est toujours ouvert. Toujours, toujours. Un canapé et deux canapés. Puis à chaque fois, c'est des canapés d'anglais. Mais ceci dit, on s'est bien accordé, on a tous les deux un marron. Donc, comme ça, pour l'uniformité des couleurs, tout va bien. Bon les amis, je vous reprends. Alors non, je ne suis pas nue, hein. J'ai une serviette. Je sors de la douche parce que bien, Anaïs va enfin s'occuper de mes cheveux. Regardez-moi bien, c'est la dernière fois que vous voyez comme ça. Enfin, la dernière fois avant. Qu'est-ce que tu fous, hein? Avant un mois. Parce que dans un mois, je serai toujours dans le même état. Mais en attendant, on améliore les choses. Et comme le temps n'est pas vraiment revenu cet après-midi, on ira faire les photos demain. Et comme ça, j'aurai une tête toute belle. Enfin, presque toute belle. Mes dents ne sont pas encore réparées, mais ça vient. Tout vient à point à qui sait attendre, on dit. Donc, c'est vrai que les dents, j'ai vraiment hâte. Mais c'est long, les rendez-vous chez le dentiste. Donc, pas le choix. On attend, mais les cheveux, en tout cas, je peux y faire quelque chose. Donc, c'est parti. Arrête. Tentative de rouge à lèvres, Martine. Anaïs s'est acheté des rouges à lèvres Martine. Alors je vous ferai pas, je vous vendrai pas cette marque parce que perso je la trouve pas spécialement, mais je teste quand même et je vous montre. Bon alors voilà. Bon du coup j'ai aucun make-up, j'ai juste le rouge, ça craint du boudin. Mais je dois reconnaître, ah ouais je vois mieux dans le miroir, ouais, parce qu'en fait je me découvre en même temps que je me filme, hein, donc ouais effectivement l'application c'est pas très. Anaïs me dit bon je te le mets mais l'appliquer sur les autres je sais pas trop faire, hein. Donc effectivement là la vidéo ça rend pas trop mal quand je me regarde dans le miroir, c'est une autre. Mais c'est pas grave. Bon, la couleur, c'est pas trop mon délire. C'est pas moche. Mais c'est pas forcément ce que j'aime porter. Par contre... Oh non, ça colle. Ah oh, non c'est Non, il colle oh, pas. Ah non. Mais il colle pas sur moi. Pourquoi ça colle sur toi? Ça colle là, regarde. Bah attends, je vais en mettre aussi. Ça se voit que ça reste collé. Je vais en mettre aussi. Ça colle pas sur moi. Alors, Anaïs m'a dit... que si effectivement je trouvais que c'était bien, elle vous vendra la marque en vidéo. Elle qui ne veut pas se montrer en vidéo. Donc je pense que c'est qu'elle en est vraiment convaincue. Donc écoutez, on va attendre un peu. Ça colle. On va attendre un peu. Et puis quand je ferai mon make-up réel après ma coloration, on en reparle. Bon là c'est le coin des artistes. Il y a l'artiste coiffeur et les artistes peintres. Ouais. Attention. Et puis l'artiste puni qui est toujours dans ses lignes. Bon, normalement, on avait prévu la journée, hein, donc de toute façon, vous allez me trouver dur, oui. Mais voilà, oui, donc vous me trouvez peut-être dur avec mes punitions, mais en même temps, je me retrouve toute seule à devoir gérer les enfants. Et quand mes enfants me manquent de respect, et ben, je me dois de réagir. Donc, si je veux pas mettre de fessées, désolé pour les doigts, si je ne veux pas mettre de fessées, et ben je sanctionne autrement. Et en l'occurrence, mes lignes, ça a l'air de plutôt bien fonctionner. Je déteste me voir sans make-up, sans rien, mes sourcils, n'importe comment, le zéro. Là, j'ai que le rouge à lèvres. Ça donne la classe. Mais non, même pas en fait. Et puis ça colle. Hein. Ça colle. Mais bon. J'autorise Anaïs quand même à vous en faire la pub, on filmera ça. Anaïs a dit qu'elle allait faire son make-up d'abord et après je la filmerai
Mais c'est bon, il est fermé. La pub de cette marque qu'elle affectionne beaucoup. Bon, du coup, elle est en pleine préparation de ma coloration. Attention, attention. Du coup, je refais mes mèches. J'espère que ça et va. Puis, on refait des... Une fois que je refais mes mèches, alors je la refais. Non, il n'y en a pas partout. Je vous dis des termes qui ne correspondent pas du tout à ce que je vous montre. Je refais mes racines, pardon, que je vous montre depuis des semaines qui sont une atrocité. Voilà, donc là, j'ai au moins 2 cm de racines. Donc, on refait les racines et on refait des mèches blondes, mais alors du coup, un peu plus partout. Hein. Donc là, je pense qu'en termes de... d'éclaircissement, ça va donner. Puisque toutes les parties noires, enfin noires, c'est pas vraiment noir, mais toutes les parties foncées qui sont là, j'aimerais qu'elles disparaissent en fait. Donc voilà, ça va se faire petit à petit. Mais, du coup, aujourd'hui, on va pas faire partout, on va faire, comment t'appelles ça? Des mèches de recouvrement. Des mèches de recouvrement. Donc on va faire toutes les parties en fait du dessus, le tour là, le tour en dessous au cas où je les attache pour qu'on ne voie pas en fait qu'il n'y a que le tour de fait, mais voilà, c'est juste des mèches de recouvrement. Ça va me faire patienter le temps d'avoir mieux que ça. Puis bah après, je vous reprends avec ma nouvelle tête. Bon, bah ça y est. On n'a plus les cheveux blancs. Anaïs, elle est en train de me préparer les petits papiers d'alu pour faire les bêches. Et puis, alors du coup, c'est le gros boxon dans la cuisine. Parce que les enfants, ils ont fait la peinture, mais personne ne ramasse. Tout va bien. Je vais aller les chercher. On va entendre des cris. Par contre, avant de regarder la télé, on range la peinture. C'est quoi? Bah, j'ai été mauvaise, personne n'a bougé. Non, parce qu'on a quand même jusque les tabliers par terre, quand même. Hein. Bon, chez nous, ils font pas les choses à moitié. Bon, bah du coup, on attaque les mèches. Et puis après, on voit ce que ça va donner. Bon, j'ai quelques traces de coloration, là. Mais on verra si avec le shampoing, on arrive à enlever tout ça. Non, ça partira pas au shampoing. Bah non, mais je vais pas rester marquée comme ça. Mais je sais pas comment tu voulais avant. Bah avant, tu me faisais pas des traces comme ça en fait. Ah oui, si, quand on n'avait pas la crème, tu m'inquiète. On verra. On va redonner un petit coup de détachant ou je sais pas. Peut-être avec le maquillage, ça se verra moins aussi. Avec le fond de teint. À voir. Hey, non, n'ayez pas peur, c'est bien moi. Il y a 2 minutes, j'étais en mode Pollux. C'est particulier, mais bon, faut que ça pose. Voilà, bon, il est 17h51, donc je pense que le vlog sera en ligne assez tard ce soir. Comment? 52. 51 sur le micro-ondes. Mais bon, je vois que... voilà, les cheveux sont quand même déjà clairs, donc j'espère que ça va éclaircir encore un peu. Anaïs fait son lapin, elle est en train de manger un quignon de pain sec. Et j'entends derrière... Ça ronge. Mort de rire. Bon, du coup, elle va vous parler de son fameux rouge à lèvres parce que, quand même, il est toujours en place. Hein, je tiens à le préciser. T'as vu, il n'a pas bougé. Ça colle un peu moins, parce qu'il y en a moins. Mais en tout cas, il est toujours là. Donc, je ne peux que reconnaître que c'est un bon produit. Maintenant, c'est pas une texture quand même que j'aime me porter toute la journée parce qu'il y a le petit côté collant quand même. Ah, mais moi, je peux faire ça que les tout gras là qui dorment. Ben, mon Clarins, il hydrate super bien les lèvres, j'aime bien. Ouais, mais celui-là, il dessèche pas dans le côté. Ouais, c'est vrai. Donc, bon. Du coup, on fera une petite vidéo, mais alors ça sera peut-être plutôt sur le vlog de demain parce que là, à l'heure qu'il est, je vais pas avoir le temps de faire une vidéo de plus et le monter et voilà, le mettre en ligne, tout ça, ça va prendre du temps. Donc, je vais aller de ce pas monter ce vlog. Les enfants sont dans la salle en train de regarder la télé. Ah bah non, je peux pas monter le vlog, ils sont sur la télé. Oh, ah bah je vais les virer. Ça va aller. Mais je vais être obligée de les virer. Voilà, ça c'est l'inconvénient d'avoir le Mac sur la télé. On est obligé de partager. Bah, bref. Vous allez ranger la chambre avant la fin de la télé. Non mais au pire, ils vont mettre le HDMI sur la petite télé puis ils vont regarder ça. Ah ouais. C'est bien d'avoir finalement ce petit écran qui dépanne. Bon bah je vais monter ce vlog du coup. Ah bah non, je vais quand même attendre le résultat avant de... Ouais. Ouais, si je vais commencer le montage mais je vais pas le clôturer maintenant. Comme ça je vous montrerai quand même le résultat avant de clôturer quand même. Faut que ça ait un peu de sens aussi. J'ai une tête de mort, je suis pâle comme une morte. Bref. Bon bah je commence le montage et puis dès que c'est fini, je vous montre. Bon les amis, ça y est, ma coloration est faite, enfin les mèches en tout cas, donc effectivement, ouais si c'est vrai, ça fait plus clair quand même Anaïs. Bah oui. Je le vois quand même. Bah par contre, il y a toujours cette bande là. Hein. Ouais, mais
Bah oui, mais ça, j'y peux rien. C'est juste que comme t'avais des mèches en pointe avant. D'accord. Ça se rattrapera avec le temps. Bah, on va attendre alors. Ouais, c'est, ça fait quand même plus clair. C'est plus joli. Bah voilà. Bref, donc ma couleur est faite. Alors, j'ai morflé au niveau des taches. Donc, je ne sais pas. J'ai une peau qui marque énormément. Et du coup, c'est très compliqué. Donc, je ne sais pas comment je vais faire pour. Je vais faire un brushing pardon pour la main, je vais faire un brushing ouais genre comme ça, genre comme ça. Là, j'ai, voilà, on a séché mais j'ai absolument pas broché. Oh, ça ressemble à rien. Tu vas me faire un wavy? Ouais. Tu vas me montrer comment faire parce que j'ai envie de savoir faire un wavy mais je sais pas, j'ai essayé mais j'y arrive pas. Donc finalement je vous montre ça toujours sans maquillage. Pour une fois je ne me serai pas maquillée de la journée, c'est très très rare. Mais là, il est 19h25, du coup, je peux pas en fait attendre plus longtemps, même si pour nous, la soirée ne s'arrête pas là. En tout cas, j'arrête le vlog ce soir. Je suis en train de réfléchir au fait de peut-être les publier le lendemain matin plutôt que le soir même. Ça nous permettrait en fait de pouvoir partager plus longuement en fait notre quotidien, c'est-à-dire aller plus tard le soir, parce que là, du coup, on est obligé de clôturer à 17h30 au max. Grand max même. Donc, à voir. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je sonderai encore une fois Insta. C'est souvent là-bas que j'obtiens mes réponses. Mais en tout cas, si vous avez la zone de commentaires, donc vous pouvez me laisser un commentaire. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous préférez que ce soit posté le soir ou est-ce que le lendemain matin, ça peut être bien aussi. Voilà. Bon, je suis très contente de mes cheveux. Merci beaucoup, ma chérie. De rien. Le coiffeur gratuit, ça se néglige pas quand même. Et puis du coup, elle vous présentera dans le vlog de demain sa nouvelle marque. Alors je vous montre juste parce qu'elle me le tend. C'est où le truc? Voilà, Martine. Elle vous en parlera demain. Voilà. Sur ce, les amis, je vais vous laisser. Je vais aller monter ce vlog parce que j'ai été obligée de faire une mise à jour de mon ordi, donc c'est toujours pas fait. Donc je vais monter ce vlog, le mettre en ligne et puis on se retrouvera demain pour une nouvelle journée en espérant qu'on ait du beau temps pour pouvoir faire des photos. J'ai une choucha cette coupe, c'est dingue. Je supporte pas. Mais en plus Anaïs a oublié ses ciseaux donc on peut même pas désépaissir. Mais bref, c'est pas grave, on va vivre avec. Donc sur ce les amis, n'hésitez pas à liker cette vidéo. Laissez des commentaires, abonnez-vous, faites tout ce que vous voulez, cette chaîne est à vous. À bientôt, bonne soirée, gros bisous.